Bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Ce soir, on se retrouve avec Mion qui est justement devant moi. Et Vovor, je t'avais pas vu, tu fais partie du décor. C'est gentil. Ah, c'est sûr que ma tenue est un peu moins voyante que la tienne. Oui, je me suis fait une nouvelle tenue, vous voyez. Ça me donne un peu plus de force, hein, bien que. Où est-ce que la force vient de cet équipement? Je ne sais pas du tout. Mais elle me donne un peu plus de En force. rentrant, on fait un tour par le pont tant qu'on est à côté. Au moins, comme ça, on regarde un peu. On a les trois pets, ça devrait aller. Vous voulez faire la grosse. La bosse araignée? Ok. Oui, on peut aller vers la bosse araignée aussi, éventuellement. Elles ont respawn. Ouais, du coup, Pumba et moi, on a pris un niveau. C'est vrai? Et la bosse araignée, elle est pas de ce côté-là, elle est de l'autre côté, je crois. Elle est à l'autre pont là-bas, à Perpète. Non, il est pas loin. Il y en a une autre ici, d'accord. Il y en a une deuxième ailleurs, en fait. Il a eu plus 3 en Vita, Pumba. Et il est déjà passé 15. Ouais, il vient de passer. N'importe Nawak. Après, le gars, il te dit, ouais, j'arrive pas à taper. C'est son pet qui prend tout l'XP. Bah non, ça a rien à voir, c'est que... Et moi, il est toujours 13. C'est par là? Bah oui. Okay. Enfin, attends, je sais pas où. On est pas loin, moi, je trouve, de la... Vraiment, ça serait par là. Regarde, il est en face, le pont des araignées. Oui, c'est ce que je dis, c'est peut-être bon là-bas. C'est là où je parlais, tu me disais non. Ah si, non mais on s'est mal compris. Mais je te pardonne. Je te pardonne, car le mec, c'est lui qui m'a mal expliqué, puis il me pardonne de ne pas avoir compris son explication à la merde. Ah, voilà. Tout de suite, c'est moi, quoi. Ah oui. Je te dis vers le pont là-bas, c'est pas à côté, et tu me dis, bah si, c'est juste là, il y en a une deuxième. J'ai failli sauter dans le gouffre de... Faut que je me soigne. Ok. Faut que je boive aussi. Encore des potions? Vous avez encore des potions d'ailleurs? Ouais. Oui? Ok. L'araignée par contre elle rigole pour. Hein. Ah t'es déjà sur les crocs en bas. En même temps le mec il court tout le temps, il s'arrête jamais, il fait tous les mobs. Ouais. M'étonne que ton truc il XP là, saleté. Moi j'attends Mune, enfin j'essaye. Quand je te vois partir trop devant, j'essaye de te suivre. Je remets ma torche pour vous voir, je vois toujours pas. On est au bord de la rivière. Oh. Ben moi je suis en haut, comment vous avez fait? Moi j'ai suivi la forme. Non, on a sauté et on s'est accroché au mur. Reviens un petit peu en arrière pour que tu me vois dès que t'auras sauté. Bah en fait je reconstruis ma torche pour que tu me vois quoi, tu auras sauté. Je suis au pont des pénitents, oh putain. Ah oui t'es parti loin là. Redescends sur le côté du pont normalement et tu vas retomber sur moi. Attends, je tue les squelettes. Bon j'arrive. Comment tu les as butés? Oui. Oh là là. Bon par contre les boss dans le dans la nature sont peut-être un peu plus violents que les boss des donjons, j'ai l'impression. Que celui-là, la sorte de queen araignée là que j'ai essayé, elle fait mal. Ouais, non. Bon au moins on aura fait deux donjons que je vais pouvoir mettre sur YouTube, peut-être en donjon particulier, tu sais, individuel, ça me fera deux vidéos, plus le boss araignée. Moi ça me fait trois vidéos, c'est bien moi, en une soirée de stream, moi ça me va. T'as la fibre. Du coup, tu non. Les édites et tu expliques les trucs. Oui, j'explique, je fais des montages, je fais des trucs. Si vous regardez ne serait-ce que 5 minutes d'une des dernières vidéos de jeu de rôle, vous verrez qu'il y a tout qui est coupé au dernier degré pour faire un truc ultra dynamique à regarder en fait. Le moment où je te dis qu'est-ce que tu fais, tu prends, je laisse environ 20 secondes aux personnes pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. S'ils répondent pas après, bah ils passent leur tour, mais s'ils répondent, bah je coupe directement le truc du où il a fait bon, bah alors, tu vois.
Et je laisse directement le truc où bah, je fais ça. Et hop, après lancement d'action, compétences, son des sorts, etc. Quoi. Ah, bah non, moi il veut pas monter par là. Passer un peu plus à droite, j'ai fait. Here. Ah bah ta chérie, elle veut pas passer par là. Monter un peu plus à droite en fait, si ou à gauche. On voit rien. C'est pas moi qui les attaquais, celles qui ont commencé. Non, c'est vrai en plus. Moi, bon, par contre, la boss araignée normalement était là dans le coin ou un peu plus loin à gauche. Ah, elle est sur le pont là. Elle est un petit peu en bas. Ah non, moi je te parle de la vraie boss araignée, ça, le truc là à droite, c'est une étoile. Moi je te parle de la boss araignée, trois étoiles, ça a rien à voir. Ouais, elle en a trois celle-là. On est sur le pont. D'accord, bah si les deux ont trois, bah on va faire les deux alors. La dernière fois que je suis allé dessus, moi, elle m'a foutu deux tartes, je me dis bon, c'est bon, je rentre à la maison quoi. Par contre, faudra faire gaffe, on peut pas trop reculer, il y a des squelettes derrière. Ah, bah votre suivant a gagné un niveau. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je poule à l'arc? Non, je vais l'envoyer. Je vais envoyer mon pet pour que ce soit lui qui... L'araignée a fait tout seul. C'est terrible, bon, c'est l'éléphant qui a l'aggro. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais essayer de mettre du saignement. Je suis bloqué, je peux pas bouger, je vais mourir. Je suis bloqué au milieu de tous les têtes. Aïe. Oh, reculer un peu, c'est pas bien là. Ah oui, en fait, elle a fait de la toile. Oh, non. C'est le décor ou... Ouais, c'est le décor. Je crois que j'ai en aggro. Je tente. Allez, elle a 4 armures de pété là. Ah. Corruption. En plus, ça fait des dégâts sur la durée. Hop, je bois une potion direct. Je sais pas comprendre. Et j'essaie de lui remettre un 3-4 armure pour pas qu'il s'enlève. Ouais, bah il s'est enlevé. Il y en a plus que deux. Entendu. Qu'un saignement. Ah, non, pas ça, pas ça. T'as une portée de malade en plus ce truc là. Elle a 20 saignements, elle a de l'armure pétée en plus. Allez, 3 armures pétées. 4, 5, 10. Ah, on peut pas aller au-dessus de, on peut pas aller au-dessus de 5 armures pétées. Elle va mourir. GG. J'ai gagné un niveau. Je récupère le sang avec le... Ah, j'ai eu un passe-partout. Mais... J'ai eu un passe-partout en l'écorchant avec le... J'ai pas compris. Il vient de commencer le niveau 9, mon père. Moi, Pumba, il en a repris un. Hein. Je me soigne un peu, voilà, hop. Ouais, moi aussi, des bandages. Ça y est, il avait en force Pumba. Ouais, j'ai perdu du maximum en fait. Ça a baissé nos stats max en 200... HP. Ouais, en... ouais, c'est ça, 260. Ah ouais, mais d'accord, toi ton niveau là, 17, il demande 200 000 XP, un truc comme ça. Celui-là de l'éléphant demande 600 000 pour le level 15, quoi. J'ai eu un... C'est un intello, c'est un Pumba intelligent. Après, donc je disais, il y a une autre araignée maintenant de ce côté-là. Celle-là risque de faire plus mal, par contre. Et on n'a pas de danseuse, on n'a rien pour pouvoir enlever le... Non, mais... Il y a des danseurs à la taverne tout au nord pour... bon, c'est pas très pratique pour y aller. Oui, mais... c'est clair. Donc je sais pas si vous m'avez vu partir sur la droite. Je reviens avec la torche. T'as pris le pont? Non, non, je... Ah, mais il y a un coffre sur le pont. Il y a deux coffres sur le pont. Oui, je vais voir. Avec 11 pièces d'or et des fibres. Cool.
T'as déjà pris les deux, ok. Bon, bah, c'est bah pas... apparemment, ce pièce d'or, il y avait rien d'intéressant. La dernière fois que je suis passé par là, en fait, j'ai voulu fuir celle à deux étoiles, là. Enfin, j'ai voulu passer par derrière pour voir si on pouvait l'aggro par derrière, etc. Bah, je suis tombé sur la vraie araignée 3 étoiles, donc c'était comme la petite là, mais en 3 étoiles. Donc elle est gigantesque et elle fait super mal. Ça n'a rien à voir avec celle-là. Et elle était là au rebord. Voilà. Elle y est. Tu la vois, bébé? Ouais, ouais. Ok, je vais peut-être tirer aux flèches, je vais bombarder tout ce que j'ai en flèche et je vais laisser les tanks tanker parce que ça fait super mal. Je vais voir mon pet, il a combien de... Il a récupéré sa vie, etc. Ah, moi je crois que non. Il a pas encore récupéré totalement, il a 327 d'armure. Le tien, il a combien d'armure? 314. Le tien a 300 aussi? D'accord. Bon, il a pas de points de vie par contre, c'est l'éléphant qui en a le plus. Donc ah, je il le... a pas de points de vie, il en a moins, c'est pas pareil. Ah, je vais voir, il a combien maintenant? 2800 quand même. 3200 le mien. Ouais, je vais envoyer mon pet devant et après il faut envoyer tous les pets. Vous mettrez vos saignements si vous voulez. Attends, je vais mettre les gros popos en raccourci. Là. Le? Je dis là, je vais mettre les grosses popos en raccourci. Vous pouvez peut-être poser une un truc à côté au cas où si vous mourrez, vous pouvez revenir dans le combat. Je vous refais des paillasses. Ouais, il m'en reste une petite en fibre. Ah bah c'est bon alors. Toi aussi, Mion? Oui, oui, j'en ai une, je la pose. La pose elle est outée justement. Ah, ici c'est pas mal, hop, voilà. Moi quand vous êtes prêt que j'envoie le pet en premier. Moi c'est bon. Okay. Ah, moi je trouve pas... J'essayerai de placer du saignement. Ah, oh bah, c'est toi qui a pris l'aggro, Mion. Mais pourquoi? C'est ton pet qui a pris l'aggro, il est passé devant en fait. Oh, ce qu'il lui a mis. Wow. Ouais, elle perd vite des points de vie parfois. A fait des poisons aussi parce qu'elle a empoisonné mon pet. Moi aussi, je elle a les 20 saignements. Ouais, et puis elle a du, les 5 fracas armure aussi. Je crois que c'est moi. Non, j'étais sur moi. Ah, c'est cette attaque là que j'aime pas. Je récupère ma stam. C'est sur moi, je bloque, allez-y. Le sanglier il va mourir, le rhino. Il va mourir. Elle a plus les. Elle a plus le saignement. Ouais. J'ai essayé de remettre. Le fracas armure. T'en as déjà remis 5, moi j'ai mis 3 fracas armure. Je tente de mettre les autres. Faut que je récupère ma stam. Pas grave, prends un bouclier non. Retire ton rhino. Je l'ai retiré! Et il revient en combat automatiquement dès que tu reviens en combat en fait. C'est bon, je l'ai sur moi, je l'aggro un peu pour pas qu'il. Ah, je crois qu'il est mort quand même. Ah non, en plus elle a réinitialisé. Ah, faut aller la choper, faut aller la choper avant qu'elle reprenne. C'est bon. Fais chier, je lui avais dit stop et tout. Pas faute, j'aurais pas dû proposer de faire l'araignée. Pas ta faute. Allez, elle tombe. Oh, léger. Un casque, c'est quoi ça? Légendaire. Le Némessien. Armure 88. Je suis coincé dans les. Un intermédiaire. Oh, je le ramasse, c'est pas ouais, ouais, vas-y. Oh, j'ai pété mes dagues au dernier coup, quoi. Et le pet, on peut rien en faire. Et en n'étant pas en combat, etc., à ranimer, à moins que ça soit seulement entre nous. Normalement, on l'avait fait, ça. Ouais, je vais voir, j'attends. J'attends un peu de voir, en fait. J'ai encore eu. J'ai 46 sans de démon, c'est pas mal. Hein. Au total, je pense. T'es près du niveau 10, putain. Ouais. Désolé. Mais ça marche comment alors ce système pour réanimer là? Non, on peut pas en fait. Peut-être seulement peut-être entre nous.
ta mort ne sera pas vain. Je vais tuer ton sanglier. Bah, c'est pas moi qui l'ai tué pendant Rhino. Prends trop d'XP, lui donner l'XP à mon sanglier, à mon truc. Bah, c'est juste qu'ils ont pas les mêmes paliers de level, on prend tous pareil. Ouais, c'est bien. J'ai hâte de te venger sur les gens qui ont rien fait. Regarde, il a combien de... Il est level 16, quasiment 17. Vas-y, on tue un mob, je suis sûr qu'il passe 17. Et il demande rien en XP, quoi. Ah bah tiens, il y a des PNJ là-bas. Pas des flèches empoisonnées, tiens. Il est aussi. Là, il a gagné un niveau. Et il lui faut 294 000 pour monter au prochain. Ouais, donc le tien, il faut vraiment rien, en fait. Oh, les stats. Ouais, bon, les spets, ils ont... Avant, on en chiait, là, ça fait plus rien. Ah, il est sur l'autre côté de l'îlot. Pas pratique pour y aller, hein. Tout le grand tour pour y aller. Ouais, je vais te couper par là. Ouais, il y a des squelettes partout après. Hop 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 hop. Il y a une araignée qui m'a fait tomber d'en haut. Ah, mon pet a 50 mobs sur la gueule. Il m'a coupé de l'araignée. Ah bah non. Il est fou en 4-3 squelettes sur la gueule. Ton sanglier que je rigole. Bon. Ah, il vient de revenir. Dommage. Tant mieux. Il était bien le coffre, il y avait quoi? Une teinture, un truc comme ça. Oh mais purée. Ouais mais c'est bien mais les mobs sont... Je suis coincé avec vos... ton éléphant là. Avantage. Bon, tu vas en gagner un niveau. Il est niveau 15. Bon, il a eu dompté, hein, dressé, donc truc de survie, truc de caca. Ils peuvent être assez violents, eux, hein, il faut faire gaffe. J'ai dit par moment. Nous aussi, on peut être assez violents, mais. Non, ça dépend surtout du nombre qui tombe. C'est un bon truc pour prendre des esclaves. Ouais. Mais c'est un gourdin, non? Spécial pour la sauver. Ouais. Ouais. Je l'ai pas. Je les ai pas dépecés à fond que tu puisses faire un coup aussi de. Merde. Ah bon, apparemment tu t'en fous, tu partages. Je non, c'est... je l'ai tué avec ça en fait, avec le coup. Attention, ça va spawn.
ou un forgeron? Un armurier, moi. Les gars, ça va retomber assez rapidement. Ah bon? Bah non, c'est trois vagues. Ah bah j'en avais fait une et j'en avais eu beaucoup plus. Non, il y a trois vagues hein. Bah il y en a où il y a plus. Ah, ah bah j'en ai eu que 4 même tout. Bon bah on va rentrer vers la base. Moi je vais pas tarder à m'arrêter. On va passer le pont mais il y avait rien. Je crois que je vais pas retirer en descendant. Ah bah regardez, regardez en haut. Où? Regardez le truc là-haut. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi mais c'est dégueulasse. C'est et cul. En face du pont c'est quoi? C'est une porte de donjon? Quel côté tu veux dire? Ah on est arrivé non? Ah mais l'autre côté du pont c'est le donjon qu'on a fait tout à l'heure je crois. Bon, ok. Et nous ça derrière là où on est? Ah oui non ouais. Ici au centre il doit y avoir quelque chose effectivement dans ce bâtiment là. Enfin, de squelettes. Mais on va retourner à la base parce que t'as pas de pet donc ça serait bien pire. Oui. Je vais mourir. Pourquoi? Parce que je suis tombé du pont. T'es morte? Où? Bah, ouais. Bah, je sais pas à quel point t'es tombé. Par contre, je sais pas ce qui est le plus près. Bon, ta paillasse prend, pense à prendre via la paillasse. Oh, j'ai failli mourir aussi en sautant du pont, j'ai réussi à m'accrocher juste à la fin et ça a fait que ça a amorti suffisamment la chute. Ouais. Il voulait pas s'accrocher en fait, à un moment la falaise elle m'a repoussé du rebord. D'araignée par ici. T'as dû passer par là, toi? Non. Ou alors c'est un cadavre bon. Qu'on a dégagé tout à l'heure d'en haut directement. Ah si, je vois déjà ton truc en bas là. T'es en train encore d'attaquer un croco, tu crois que je te vois pas? Mais non, c'est lui qui m'a attaqué. Moi je suis vegan. Faut dire que les crocos on en chie maintenant, les limites on les touchote. J'ai gagné un niveau quoi. Meurtrier, il décime la population des crocodiles. Hey, tu vas te calmer Pumba là, numéro. Comment ça tu me grognes là. Ne vous inquiétez pas, il ne mord pas. Il y aurait pas... Ah non. Je sais pas comment on va se débarrasser de cette corrupe sans... Aucune idée. Ça part avec le temps? Genre très doucement il me semble. Non je crois qu'il faut vraiment avoir une danseuse, pas le choix. Peut-être bâtir une roi esclave demain et commencer à se pencher sur le sujet. On va faire un tri aussi dans tous nos pets et essayer de faire que des gros et quand c'est pas un gros, on carte quoi. Non. Il y a un zoo là ici. On pourrait être classé en bas par type par quoi. Bon par contre en stat Jean-Charles Brossard a quand même 23 forces, 12 agi, 14 vita. Et il fait 3200 points de vie et combien d'armure que je rigole? 381. Et j'en ai moi personnellement 415 donc presque autant.
Pumba, il a 22 force, 10 agi, 18 vita, 8 précision, 15 survie. Enfin... C'est long. Ouais, c'est pas mal. 3100 PV. Ah, on le voit le dent de sabre à l'intérieur, il est classe, il est joli. L'araignée aussi d'ailleurs. Je vais chercher Aragog. Mais le dent de sabre il est super beau là, sûr. Voilà. Attends, tu as mis combien de larves pour qu'elle se nourrisse là? Le mec lui il met 250 larves quoi. Mais attends, mais je dois avoir 400 stacks de compost et je... sans déconner, je dois récupérer. Je dois récupérer à peu près 2000 de merde à l'écurie tous les jours. C'est abusé. Tu peux la poser maintenant? Je vais regarder s'il y a des trucs déjà. Des skins. Tu l'as fait, tu me le dis, que je vienne voir un peu comment elle est. Bah apparemment il n'y a pas de skin particulier pour les araignées. Ce serait possible hein. La voilà. Elle a 300 points de vie, plus que le chien déjà. Oh les stats sont pas mal. Ouh, elles sont vraiment pas mal. Hein. Bon par contre il aurait fallu plus de précision, sauf si c'est une araignée corps à corps celle-là. Mais j'en ai aucune idée. Je sais plus c'était qui, une fois on a eu un truc là, il avait gagné genre 17 points de précision, ça y servait à rien, il faisait des attaques corps à corps. Bah c'est Alphonse sans fonce. Ah oui c'est vrai. Le fameux. Et on se retrouve mercredi pour un autre jour, enfin bien. Allez je vous fais des bisous et puis à lundi prochain on verra peut-être d'autres donjons, d'autres aventures où on perd des rhinocéros. Sur ce bye bye tout le monde.